La culture en continu. L'opéra du Sichuan est un opéra chinois traditionnel surtout populaire dans le sud-ouest de la Chine. C'est à Chengdu qu'il est très réputé pour son raffinement et son dynamisme. On peut le voir partout, dans les théâtres comme dans les rues, dans les vidéos promotionnelles de Chengdu comme dans les produits culturels et créatifs. Il apparaît ainsi au quotidien dans ses innombrables publics des sourires contifs sur le visage de plusieurs jeunes filles. Cela a été comme une confirmation et un encouragement remarquable du règne. Au théâtre, il y a des publics très différents, mais la poursuite de la vérité, de la beauté et de la beauté est l'aversion pour le faux et le laissant des valeurs communes. Lorsqu'une pièce débute, un champ social temporaire se forme sur scène et hors de la scène, et tout le monde est plongé dans la même intrigue, à la recherche d'une libération des émotions, d'une résonance. À ce moment-là, les spectateurs sont aussi dans la pièce. Pour Moine Duren, la transmission de la culture de l'opéra du Sichuan ne se fait pas seulement sur scène. Ceux qui voient et diffusent l'opéra du Sichuan ne sont-ils pas aussi des personnages de la pièce? La transmission de la culture ne s'est jamais faite du jour au lendemain, mais plutôt discrètement et subtilement. À Chengdu, l'opéra du Sichuan devient un nouveau mode de vie pour les jeunes, et au fur et à mesure qu'ils verront les pièces, les comprendront, les aimeront et les diffuseront à leur manière, le public deviendra lui aussi un acteur. En mentionnant l'opéra du Sichuan, beaucoup de gens pensent d'abord au Bianyan, un art typique de l'opéra du Sichuan avec ses changements instantanés de masques colorés et décorés qui sont aussi réels que des visages avec leurs traits expressifs. L'opéra du Sichuan d'aujourd'hui ne consiste pas simplement à murmurer une romance sur scène, ce n'est pas seulement une méthode d'écriture, mais aussi un art au visage de plus en plus nombreux, à l'image du Bianyan. En mai 2019, l'Institut de recherche sur l'opéra du Sichuan de Chengdu a coopéré avec le projet Alliance des trésors nationaux de la plateforme numérique de Taobao. Il combine les figures maquillées du Bianyan pour créer et lancer des masques de l'opéra du Sichuan en utilisant le maquillage des personnages classiques de la littérature chinoise classique comme Bestuzhen, Yujin et Diao Chan afin de faire entrer l'opéra du Sichuan dans la vie quotidienne. De nouveaux éléments de l'opéra du Sichuan ont également été fréquemment observés dans des événements sportifs. Au marathon de Chengdu en septembre 2018, la commune était important du charme urbain de Chengdu. Voilà, on prend une pause musicale et de retour dans une vidéo. On va parler des techniques de poésie de la dynastie des Tang. Thank you.